Mensch! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bonjour, vous allez bien? Bonjour, c'est bien. Très bien. Oui, c'est Macron. Vous voulez, mais bon, on peut vous dire deux mots. Macron. Vous allez bien? Non, mais ça, je pense qu'il ne faut pas faire de grands cas. Essayer de créer des polémiques là où il n'y en a pas. J'ai toujours dit la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin des, dans la discussion de paix, il y aura des sujets territoriaux de l'Ukraine, ils appartiennent aux Ukrainiens, il y aura des sujets de sécurité collective sur toute la région. Lutta en Ukraine, c'est la sécurité pour toute la région. Është e rëndësishme që të kemi solidaritet me disë bashkimit evropian dhe Ballkanit perëndimor për energjinë e gjithashtu edhe për procesin e integrimit të kësaj pjese në bashkimin evropian. Është e rëndësishme që të punohet drejt një solidariteti të mëdhenj thellimit të agjendës politike. Do të kemi mundësi këtu edhe së bashku me kancelarin Scholz e të tjerë të përgatisim konkluzionet për energjin që janë diskutuar gjithashtu edhe javën e kaluar. Ky debat është absurd. Le rôle des autorités publiques. Roli i autoritete publike ni de gouverner par la peur. Nuk është të qeverisim përmes frikës. Sësoj, roli i qeveris, i ministrave, i operatorëve është të bëjnë punën e tyre në raport me energjinë. Dhe natyrisht, kjo nuk është për të frikësuar njerëzit me këto skenare absurde. I lutem, ndaleni. Jemi një vend i madh, kemi qështë energjisë naturisht për shkak të luftës mundketis. Duat, mirë dhe gjithse zili bënë punë në vetë. Ata që janë operator të centraleve, të bëjnë të centraleve, të qeverisë është puna e printare qeverisë, nërkohë që skenari i frikës nuk është për mua. Il y a des plafonnements qui ont été trouvés, hein, comme vous le savez. Déjà, il y a des accords qui ont été donnés. Moi, je l'ai déjà dit, on ne peut pas avoir un plafond trop bas, sinon on n'arrive pas à avoir des approvisionnements. Donc il faut qu'il y ait des accords techniques qui soient trouvés dans les prochains jours pour qu'on ait un plafonnement qui évite les effets d'emballement. Bon. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que nous allons continuer de vrai. Il faut qu'il y ait un mécanisme de plafonnement pour éviter les pics. C'est ce qu'on a décidé en européen au dernier conseil. La deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant qu'on aille surtout à très court terme vers des contrats de plus long terme qui vont garantir à la fois la sécurisation du volume et les bons prix. Voilà, je vous remercie beaucoup et je remercie encore mon ami le Premier ministre Rama pour son invitation. Duhet falenderoj edhe një herë kryeministrin Rama për mikpritjen e tij.